Bonjour à tous, bienvenue dans ce White Talk consacré à l'IA, deux lettres qui fascinent, qui intriguent, l'intelligence artificielle. Les métiers de l'IA sont nombreux, les secteurs sont maintenant tous concernés, de l'industrie automobile en passant par la banque, la finance, le marketing. Bref, le sujet est important et on a décidé de s'y consacrer aujourd'hui et de s'y consacrer plus précisément avec un sujet d'actualité en parlant de l'IA et de la santé. Malheureusement encore d'actualité. Donc pour cela, nous avons deux experts à nos côtés, deux experts qui vont pouvoir à la fois nous parler de leur métier, mais également de façon plus générale, dans une vision à 360, des métiers et du secteur de l'IA. Dans un premier temps, pour parler de l'IA et de la formation, mais aussi de l'alternance et des différentes manières de pouvoir embrasser ces métiers-là, qui de mieux que des étudiants en apprentissage, des intervenants professionnels, des profs, comme on dit. Pour cela, nous allons avoir un premier plateau qui va être plus éditorialisé et un deuxième plateau qui va être plus pédagogique, de quoi satisfaire toutes les questions que vous voudrez bien nous poser et que les questions que vous vous posez, puisque nous avons une heure ensemble. Je commence avec vous, Jérôme Leleu, qui est donc à ma gauche. Bonjour, bienvenue. Vous êtes le président de Interaction Healthcare, qui est une agence digitale spécialisée dans le domaine de la santé. Et vous êtes également CEO de Sim4Health, une entreprise bordelaise très innovante, multi-récompensée, qui est spécialisée dans la simulation numérique en santé. Bonjour. Vous êtes également l'ancien président de la French Tech Bordeaux, ce qui va nous permettre aussi d'avoir, grâce à vous, une vraie vision à 360 de l'IA et de la santé. Avec nous également, bonjour, Thomas Gouritain. Bonjour. Vous êtes expert IA chatbot et le CEO de Assispo. J'espère que je prononce bien. C'est ça. Assisto, comme vous le sentez. Et qui fabrique précisément des assistants de santé intelligents. Vous allez nous dire toute la vérité, est-ce qu'ils sont vraiment intelligents ou pas. Mais on va également parler plus largement de l'IA en santé avec vous, puisque vous êtes le créateur et le présentateur de la chaîne YouTube Regard Connecté, que nous vous invitons, pas tout de suite évidemment, à aller regarder après, où vous explorez les sujets technologiques, l'intelligence artificielle, mais également la robotique et la réalité virtuelle, sujet qu'on abordera aussi tout à l'heure, avec des experts nationaux et internationaux, mais aussi avec l'équipe du CHU de Bordeaux, puisque nous sommes à Bordeaux aujourd'hui. Alors, on est à Bordeaux, mais on pourrait être à Toulouse, on pourrait être à Paris, on pourrait être à Casablanca, on pourrait être à Rabat, on pourrait être à Sofia, parce que c'est une émission qui concerne tous les Innov de France, et ils sont donc 9. C'est 9 campus, c'est 6000 étudiants, c'est 6 filières, c'est 27 masters différents, dont celui qui nous intéresse aujourd'hui, le master expert en intelligence artificielle. Donc voilà, c'est parti pour une heure. On attend vos questions et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec une vision, grâce à vous, un peu macro. J'évoquais tout à l'heure la place de l'IA dans les différents secteurs. Aujourd'hui, l'expert que vous êtes, qu'est-ce que l'on peut dire pour introduire cette thématique? C'est clair que l'intelligence artificielle, on la voit dans tous les secteurs d'activité. On va le voir ce soir dans le domaine de la santé, mais on le voit dans le domaine de l'industrie, dans le domaine du commerce au quotidien. Si on prend dans l'industrie, par exemple, tout ce qui est l'acheminement des robots, la gestion en fait des usines, beaucoup d'IA en fait sont intégrés. Alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de fantasmes par rapport à l'IA, qu'elle allait bouleverser tous les métiers, parfois même les supprimer. Et si on prend l'exemple dans le domaine de la santé en disant que bientôt les médecins ne seront plus présents, je pense que maintenant, depuis quelques années, on a pris un peu plus de recul parce que l'intelligence artificielle est maintenant intégrée voilà, dans toutes les couches de la société. Vous avez un exemple très concret, par exemple, avec le CHU donc, de Montréal, le CHUM, qui utilise l'IA pour optimiser eh bien, un bâtiment. Donc, c'est bien sûr la santé, puisque c'est un hôpital, mais c'est toute l'organisation parce qu'on a fait des études assez poussées permettant d'améliorer la reprise en fait, eh bien, des patients pour pouvoir optimiser notamment l'alimentation qui va arriver des cuisines. Donc ça peut paraître très technique, mais en fait, ça a des usages très, très concrets et qui peuvent bien sûr être intéressants dans la vie de chacun et bien sûr en tant que patient. Le marché de l'IA a été multiplié par 10 entre... Donc, on voit bien que c'est un secteur qui est extrêmement, extrêmement porteur. Et vous l'avez dit,
tout à l'heure, pendant cette crise sanitaire que nous traversons encore, il y a eu, on peut dire, un effet catalyseur. Cette crise a permis à de nombreuses startups de pouvoir tester ce qu'elles avaient, on va dire, pour l'instant un peu en labo ou alors qui n'arrivaient pas à percer. Qu'est-ce que vous avez vu comme expériences intéressantes qui se sont déployées, notamment sur, par exemple, le traitement, le discernement de l'urgence? On a vu des choses intéressantes. En fait, je pense qu'avec la situation de la Covid-19, ce qui a été intéressant, ça a remis en fait l'IA là où elle est à date d'aujourd'hui. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup de fantasmes. Moi, je rencontre des médecins, des patients quotidiennement avec cette crainte en fait, que ça peut peut-être remplacer d'une part le rôle du médecin, mais aucun patient n'a envie d'avoir une IA qui va lui donner son traitement. Ce qu'on a besoin, c'est de pouvoir, par exemple, dans le diagnostic, vous avez Google qui a annoncé DeepMind, donc qui est une application en fait qui permet d'analyser au niveau de la peau. Et donc cette application en fait, elle va permettre d'analyser toutes les couches de votre peau avec un niveau de rapidité et d'exécution que aucun médecin n'est capable d'exécuter. Et ça, c'est là un élément important de l'intelligence artificielle. Je la compare souvent au monde par exemple des comptables. En 1980-82, l'émergence du PC, on leur a dit « votre métier est terminé ». Presque 40 ans plus tard, vous avez encore plus de comptables et d'experts comptables qui sont présents parce que moi, en tant que dirigeant, quand je rencontre mon expert comptable, je ne veux pas un ordinateur, je veux quelqu'un qui me donne du conseil. Alors même si l'analogie n'est pas complètement exacte, on souhaite d'un médecin qu'il donne de l'empathie, qu'il donne de la compréhension par rapport à des informations que vous pouvez avoir. Donc je pense que c'est vraiment la complémentarité, parce qu'on a peu de temps ce soir pour en parler, on peut rentrer dans pas mal d'exemples, mais c'est surtout voilà, l'approche de l'IA, qui est ce qu'on appelle souvent le médecin augmenté et qui permet d'avoir l'information. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que dans le cas de la Covid-19, au final, ce n'est pas beaucoup les applications d'IA qui ont répondu, mais l'intelligence collective, c'est-à-dire de faire travailler des CHU, des startups. Vous parliez de Bordeaux, par exemple sur Bordeaux, avec le CHU de Bordeaux, il y a une startup dans l'IA qui s'appelle Synapse Medicine qui est intervenue en fait sur les essais cliniques. On en a beaucoup parlé avec parfois des sujets un petit peu plus complexes à traiter. Et donc on utilise l'IA pour améliorer le traitement d'une part de l'information médicale pour les essais cliniques, mais aussi par exemple pour les erreurs médicamenteuses. Donc voilà, donc des applications très concrètes et qui sont faites avec des startups qui ont quelques années. Grâce au deep learning et au big data, parce qu'on a un volume de données extrêmement massif qui permet justement de pouvoir, j'imagine que vous faites référence à ça, vérifier le nombre, grâce à un nombre extrêmement important de patients, de voir s'il y a des interactions médicamenteuses avec un gros volume. Aujourd'hui, par rapport à l'IA, parce que là, on parle en France, ici à Bordeaux, mais c'est vrai que c'est un enjeu qui est international. Et c'est vrai que les réglementations ne sont pas les mêmes par rapport à la gestion de la donnée. Et que forcément, tous les modèles, et je pense que Thomas en parlera également dans le cadre de son activité, plus vous avez de données, plus vous avez d'informations, je pense sur le diagnostic, par exemple, dans le cancer du sein, forcément, c'est des enjeux qui peuvent être internationaux. Et vous avez des collaborations qui vont se faire avec des universités américaines, chinoises, des hôpitaux également. Et donc, plus on aura de données, plus l'IA, en fait, va apprendre et va être capable de donner de l'information. Et vous avez notamment, je crois que c'était il y a 2 ans, encore des concours avec, par exemple, des radiologues. Et l'intelligence artificielle, forcément, un peu comme dans les échecs, les médecins ont perdu ce concours parce que vous ne pouvez pas vous battre contre des smartphones qui aujourd'hui sont plus forts que n'importe quel être humain. Par contre, la compréhension, l'intelligence, agréger les informations, avoir une transversalité sur la compréhension, ça l'IA, on en est encore très loin. L'analyse d'images, les radios, les scanners, on voit bien que la médecine assistée par des systèmes d'IA est en train de se développer. Alors vous Thomas, chez Assispo, vous intervenez plutôt au bout de la chaîne puisque vous proposez donc des assistants intelligents sur du post-opératoire. Quand on ne s'y connaît pas, on se demande qu'est-ce que vous pouvez bien faire avec ces bots intelligents? Comme le disait Jérôme, on est vraiment dans l'idée du chirurgien augmenté. On ne va pas remplacer parce que justement le suivi, c'est un point bloquant aujourd'hui qui n'est pas fait ou pas assez bien fait pour beaucoup de raisons. Et ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient ajouter cette brique d'assistant qui va aller chercher le patient de la façon la plus simple possible sans lui faire installer d'application. Mais il va avoir un SMS, il va venir et on va lui demander comment ça va.
tout simplement, ce qui peut paraître un peu simple, mais qui aujourd'hui n'est pas fait pour la moitié de la population française qui est opérée en ambulatoire. Aujourd'hui, la moitié n'est jamais recontactée après une intervention, même s'il y a eu une anesthésie générale potentiellement ou des choses comme ça. Et donc les suites ne sont pas suivies. Aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est justement de faire ce suivi qui n'est pas fait, et demain, d'utiliser aussi les données qu'on va récupérer pour reboucler sur le sujet de l'IA. On va pouvoir analyser les protocoles de suivi post-opératoire avec des grands volumes de données sur différentes spécialités, sur différents types de protocoles, différents types de chirurgie qui vont nous permettre d'assister toujours mieux le patient. Et là, pour le coup, on assiste vraiment le chirurgien. On ne va pas le remplacer, mais on va lui libérer du temps à passer avec le patient. Quand il sera en consultation, il ne sera plus avec son téléphone qui sonne toutes les 5 minutes pour du suivi qui peut être des choses simples, simplement rassurer le patient. Ça, Assist.PO, le petit robot avec sa bienveillance et la personnalisation qu'on lui a inculquée, si on veut, est capable de le faire. Un peu plus dans la technique, comment est-ce que vous construisez ces sets de données? Combien de personnes est-ce que vous interrogez? Comment est-ce que vous évaluez la performance du modèle? Oui, le jeu de données, il est complètement maison. On l'a fait de notre côté avec les patients de mon associé, alors anonymisé, etc., évidemment, quand on a récupéré les échanges avec les patients, mais avec mon associé, le docteur Jean-David Wolfeller, qui est chirurgien oral à Paris, qui a récupéré justement tous les suivis qu'il a dû faire par SMS ou par email depuis 5 ou 6 ans, je crois. Il a pris son historique, donc c'était plus de 2500 échanges. Et on a fait l'analyse à partir de ça pour comprendre quels étaient les sujets sur le suivi. Qu'est-ce qui se passe comme suite à J+1, à J+3, sur une extraction de dents de sagesse, sur une greffe osseuse, sur des choses comme ça. Et on était capable de construire le jeu de données pour apprendre à notre robot de comprendre ce que le patient nous disait. Alors j'ai mal aux dents, c'est assez évident, mais il y a des choses peut-être un peu plus complexes des fois. Et sur les demandes de conseils aussi qu'il fait. Il nous demande, par exemple, est-ce que je peux reprendre le sport? Mais est-ce que je peux le reprendre le sport? Il peut nous le dire de 50 façons différentes. Et cet historique qu'on avait avec les patients, ça nous a permis d'entraîner notre algorithme de compréhension du langage patient pour pouvoir aujourd'hui lui donner la bonne réponse. Oui, parce qu'on imagine par exemple qu'il y a des réponses qui sont un peu plus complexes. Si on prend l'exemple des mineurs ou des non-mineurs, quelqu'un qui va demander s'il peut boire de l'alcool par exemple, comment est-ce que le bot, enfin c'est un nombre incalculable de réponses possibles en fonction des situations. Donc ça c'est vraiment un algo ou c'est à la main C'est fixé avec les médecins. Les chirurgiens, les médecins qui ont des protocoles. Voilà, la médecine, ça a l'avantage d'avoir des protocoles qui sont quand même bien définis. Ce qui nous permet, nous, de donner la bonne réponse au bon patient en fonction de quelques caractéristiques. Mais on n'a pas besoin forcément de faire tourner un algorithme très compliqué pour ça. C'est l'expertise des médecins avec qui on a établi que, alors pour l'exemple de l'alcool, si quelqu'un nous demande s'il peut reprendre l'alcool après une extraction de dents de sagesse et qu'on se rend compte que le patient a moins de 18 ans, évidemment, on ne donnera pas la même réponse qu'après 18 ans, même si dans les deux cas, on fait de la prévention. Et Assist.PO est aussi là pour faire de la prévention. Mais sur d'autres sujets, il peut y avoir des saignements, des douleurs qui peuvent être différentes selon les profils de chacun. Et dans ces cas-là, c'est des choses qu'on connaît de façon empirique et de façon clinique aussi. Et on l'utilise, nous, pour mettre nos réponses dans Assist.PO. Ce n'est pas un algo qui va aller choisir la réponse. On ne fait pas de diagnostic compliqué. Ça, c'est les médecins qui font du diagnostic compliqué, pas des IA. Et on va apporter ce premier niveau de réponse. Et si Assist.PO ne sait pas, et il ne va pas essayer de répondre à côté, il va dire qu'il ne sait pas. Et donc, il va passer la main au chirurgien qui, du coup, va avoir à traiter uniquement les cas qui sont vraiment importants et qui peuvent dégénérer vite éventuellement, mais qu'il faut reprendre. Et dans ces cas-là, Assist.PO ne va pas essayer de le reprendre à tout prix. C'est le chirurgien qui reprend la main de ce point de vue-là. Quels sont vos challenges un peu techniques? Vous êtes sur du back, sur du front. Vous avez qui dans votre équipe? Comment est-ce que vous gérez la personnalisation? Aujourd'hui, on a une petite équipe. On avance sur la chirurgie orale, qui est la spécialité de mon associé, qui lui, c'est lui qui fait tous les protocoles, qui les valide avec la société savante, Société française de chirurgie orale, qui est compétente sur le sujet. Et derrière, on a un développeur qui nous permet de... Voilà, on a mis toute la partie technique en place pour avoir ces personnalisations, pour pouvoir gérer la conversation, identifier les patients, et puis toutes les couches de sécurité qui vont bien évidemment avec. Et ensuite, avec les médecins, quand on ajoutera une spécialité, il y aura tout ce travail de comprendre la voix patient qu'il faudra refaire à chaque fois, sur chaque nouvelle spécialité. Et ça, c'est un travail qu'on fait avec les médecins pour leur apporter le service derrière dont ils ont besoin réellement. Techniques, sur les langages de programmation, qu'est-ce que vous utilisez, qu'est-ce qu'il y a, c'est quoi un peu votre secret sauce? Parce alors sans rentrer dans la
la technique? Bien sûr. Alors, sans rentrer dans tous les détails techniques, mais aujourd'hui, on a une base qui s'appelle BotPress. Pour les gens qui veulent faire un peu de chatbot, n'hésitez pas à aller regarder ce qu'ils font. J'en ai testé beaucoup, beaucoup. Et pour faire des choses un peu poussées comme ça, c'est très bien fait. Et dessus, on a greffé des briques, qui sont des briques qu'on a développées chez nous. Alors, pour les langages, pour ceux à qui ça parle, on fait du Python, du Django, un peu de Node.js sur le front, des choses comme ça. Pour faire le lien entre la base patient, ce que nous dit le patient, et le chirurgien. Un de vos leitmotifs quand on discute avec vous, c'est la technique, oui, certes, mais il faut être curieux et il faut penser à vos utilisateurs. La question de l'UX et de l'expérience, c'est quelque chose qui est quasiment obsessionnel chez vous et que j'imagine vous transmettez à vos techs. Oui, ça, je pense que c'est commun dans nos approches aussi avec Jérôme. Et c'est super important parce que quand on conçoit un produit pour un utilisateur classique, mais d'autant plus en santé quand on s'adresse à un patient, il faut que ce soit le plus facile d'utilisation possible. Et nous, c'est notre leitmotiv, même avant les IA compliquées, même si on a quelques algorithmes qui tournent chez nous, ça a été de dire, on veut faire le suivi, accrocher le patient dans ce suivi, le faire venir, qu'il y prenne plaisir, entre guillemets, mais en tout cas qu'il ait sa réponse de façon efficace. Et pour ça, on a d'abord travaillé sur l'UX et sur comment on va le contacter, comment on l'amène dans notre conversation et comment se passe la conversation, plus que dans les algorithmes ou que dans la techno compliquée finalement, pour vraiment être au plus près de ses usages, de ce qu'il attend, et du coup être sûr que notre produit de e-santé répond à ça, qu'il y ait de l'IA ou pas. D'ailleurs, tous les sujets de e-santé se rejoignent là-dessus. On parlait de co-construction, je vous invite à écouter une masterclass là-dessus sortie par les équipes de Jérôme cette semaine sur l'importance de la co-construction dans les sujets e-santé. C'est vraiment primordial. Il y a deux mots qu'on entend souvent, enfin en l'occurrence trois, c'est l'IA et la réalité augmentée. Quels sont les liens entre les deux? Est-ce que c'est quelque chose qui va être une grosse tendance, enfin qui l'est déjà? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ça? Alors c'est vrai que il y a la réalité augmentée, la réalité virtuelle, l'IA, en fait toutes ces combinaisons techniques en fait travaillent ensemble. Et notamment vous avez de plus en plus, par exemple sur la réalité virtuelle, des sociétés qui sont spécialisées pour pouvoir prendre en charge en fait les patients, diminuer ce qu'on appelle l'anxiété en préopératoire, donc avant d'aller comment dire à l'hôpital, donc de pouvoir accompagner le patient. Mais l'IA par exemple, vous avez une société qui s'appelle MusicCare, qui a gagné notamment pas mal de prix là, ces dernières semaines, et qui, elle, est spécialisée non pas en termes de réalité virtuelle, mais d'écouter de la musique. Donc on pourrait presque, vous avez parlé tout à l'heure de front, on est presque dans la low-tech, donc on est très loin peut-être de l'image, mais en fait, ils adaptent tout la musique qui peut être faite, notamment pendant la chirurgie. Donc vous imaginez que vous avez des personnes qui sont opérées et qui ont un casque, non pas un casque de réalité virtuelle, mais un casque audio comme vous pouvez l'avoir dans votre vie personnelle, et au final, ça analyse vos goûts, ce qui vous calme, ce qui vous donne un peu du recul, et donc tout ça avec des algorithmes d'IA. Donc on peut imaginer aussi, par exemple, nous sur la partie formation, l'apprentissage qui va être personnalisé, donc l'évolution que vous pouvez avoir avec votre casque de réalité virtuelle en termes d'IA. Et je pense que ce qu'a dit Thomas tout à l'heure était passionnant, c'est aussi l'association, là on parle des technos, mais aussi des compétences médicales et technologiques. C'est le cas par exemple, de la start-up de Thomas avec deux compétences. Et là, il y a des très belles sociétés là-dessus aujourd'hui qui se développent en ayant cette expertise dans la technologie et dans le médical pour apporter des start-up. On va, je crois, en voir dans quelques secondes. Oui, et c'est intéressant aussi parce qu'à la faveur donc de la crise sanitaire, on a vu des Fab Labs se développer et aussi des coopérations. Vous qui êtes fan de l'intelligence collective, mais le CHU par exemple de Bordeaux, mais aussi de nombreux CHU en France, ont travaillé avec des startups précisément pour essayer de faire face à la difficulté. Il y a eu aussi, on va dire, des ratés ou en tout cas des bilans un peu mitigés sur ce que l'IA aurait pu faire et n'a pas pu faire, notamment sur l'anticipation de la pandémie, etc. Alors on va dire peut-être, avant d'évoquer les startups, peut-être les plus et les moins de l'IA sur cette pandémie. De le dire, je pense que le côté peut-être moins, c'est notamment l'anticipation, même si certaines données, hein, je peux
parlais tout à l'heure de Google, c'est Dermassist, hein, je me suis trompé, je parlais de DeepMind, mais c'est Dermassist le nom de l'application si vous la cherchez, puisqu'elle va sortir au mois de décembre en Europe. Et donc là, je pense que c'est la prise en compte en fait de ces informations, et puis on le voit aussi avec les applications de prise de rendez-vous. Au final, eh bien, celui qui maintenant a été reconnu par également le président de la République avec sa reconnaissance sur l'application qu'il a pu développer pour permettre en fait la prise de rendez-vous. Donc ça, c'est aussi un élément important, se dire qu'en fait, ça ne vient pas que des grands groupes ou des structures étatiques, ça peut venir d'une personne qui a la maîtrise. Donc vous parliez tout à l'heure quand on préparait notamment connaître la data. Voilà des exemples concrets de. Alors, est-ce que c'est un raté ou un côté positif? Je pense qu'on peut avoir ces deux lectures qui sont intéressantes. Dans les bots, j'imagine aussi qu'il y a, quand on parlait du discernement de l'urgence, capable de faire le tri entre la bobologie et les vraies urgences pour pouvoir laisser de la place pour les vrais malades du Covid. Ça, c'est quelque chose qui a commencé à se développer aussi. Oui, et notamment au CHU de Bordeaux, ils ont fait un travail très intéressant avec l'INSERM aussi. Ils étaient en équipe avec l'INSERM, les urgences de Pellegrin, où ils ont, alors eux justement, ils seront surtout prêts pour une éventuelle prochaine pandémie, parce qu'ils ont commencé leur étude juste au début de la pandémie Covid, où ils ont analysé avec des algorithmes de reconnaissance de texte tout ce qui rentrait aux urgences et tous les appels, les analyses d'appels. Les comptes rendus d'appels faits par les médecins urgentistes ou même par les personnes sur place qui sont dans une situation compliquée. Aujourd'hui, ce n'était pas analysé. Là, ils ont analysé justement pour analyser quels étaient les symptômes, les évolutions de certains traumas, etc. Et donc, ils ont pu, comme ça, se rendre compte qu'en début de pandémie, il y avait moins d'accidents de voiture, évidemment, parce que les gens étaient chez eux, moins de problèmes alcooliques, etc. Mais ça a permis aussi de caractériser qu'est-ce qu'étaient les symptômes du Covid qu'on ne connaissait pas par définition. Et ils ont fini par réussir à la caractériser, alors à Bordeaux et en croisant avec les autres services d'urgence universitaire. Et ils se sont rendus compte que c'était la toux, que c'était tel type de toux, que c'était la part d'odorat, etc. Et c'était notamment, alors pas uniquement, mais notamment grâce à ce type d'outils. Il y a le Health Data Hub aussi, qui est un énorme organisme national qui est en train de se déployer et qui montre aussi l'importance de l'intelligence artificielle. Alors, peut-être pour terminer, est-ce que, parce que c'est inspirant, vous avez repéré des boîtes qu'on pourrait qualifier de waouh, des entreprises qui sont au cœur de l'IA, que ce soit en santé ou pas en santé, ou qui utilisent l'IA pour faciliter la vie des consommateurs, des patients ou tout simplement des citoyens? Est-ce que vous avez des coups de cœur ou des petites boîtes que vous suivez en vous disant « Ah, à mon avis, dans quelques années, on va entendre parler d'eux ». On a un coup de cœur commun avec une société donc, qui est basée à Bordeaux qui s'appelle Rebrain. Et je parlais de l'association… Rebrain. Exactement. Donc en fait, eux, ils sont spécialisés donc, dans les neurosciences. En fait, donc, c'est la rencontre en fait, entre deux acteurs, donc le professeur Emmanuel Cuny, donc, qui est au CHU de Bordeaux, alors qui était, puisque en fait, il s'est libéré de ses activités pour pouvoir se concentrer en tant que CEO de l'entreprise, et Neji Denzimi, donc de l'INRIA à Bordeaux. Et ça, c'est un des éléments aussi, quand on parle d'écosystème par rapport à l'IA, c'est aussi travailler aussi avec les organismes de recherche, avec les laboratoires, qui sont également source de beaucoup d'expertise. Notamment, il est spécialisé dans la partie mathématique. Et en fait, il développe une sorte de cartographie du cerveau humain, notamment sur la maladie de Parkinson. Donc vous avez des personnes qui, vous savez, ont des tremblements très, très importants et qui malheureusement ne peuvent pas être opérées dans des conditions, on va dire, confortables, puisque c'est 10 heures d'opération, vous êtes obligé de réveiller en fait, le patient. Et donc ils ont développé ce sort de GPS qui va permettre eh bien, à l'ensemble des neurologues, et là ce n'est pas qu'en France, hein, c'est sur le monde entier, et l'opération dure entre quelques heures, hein, 3-4 heures, et permettre aux patients, dès le lendemain, de ne plus avoir de tremblements. Quand vous rencontrez ce type de société qui a quelques mois, hein, mais qui par contre fait le fruit d'un travail depuis presque 8 ans de chaque côté. Voilà, Rebrain, ça c'est vraiment notre pépite, mais je crois que Thomas aussi les connaît bien. Tu l'as très bien présenté. Ce qui est passionnant avec le projet de Rebrain, c'est que l'intervention sur le tremblement essentiel ou certaines maladies de Parkinson, elle existe depuis 30 ans. On sait le faire depuis 30 ans, mais en réveillant le patient, en allant... Le principe, c'est d'installer une électrode dans le cerveau pour stimuler les zones du cerveau qui permettent de plus trembler, pour simplifier. Hein. Et le projet Rebrain, il permet justement, comme disait Jérôme, de cartographier tout ça et d'aller chercher des points
le point où insérer l'électrode sans avoir à réveiller le patient, comme on disait, et surtout sur des zones qui sont peu ou pas visibles à l'IRM. C'est ça qui paraît vite assez magique. Et c'est justement la conjonction de l'expertise du docteur Cuny, qui était chef de service de neuro au CHU, et le docteur Najib Demzemi, qui est docteur en mathématiques. Et c'est justement les mathématiques plus le médical qui ont donné cette application qui est vraiment, vraiment incroyable. Sur l'IA, donc ça montre aussi voilà, que sans ces deux expertises-là, on ne pourrait pas développer des exercices qui, in fine, ce n'est pas de la technologie, c'est pour l'intérêt du patient. Et c'est ça qui est magique. Et alors, il y a aussi d'autres sociétés, je pense à Deski, qui a notamment développé pas mal de partenariats avec des CHU, notamment sur celui également de Bordeaux. Et là, ils sont sur donc, l'échographie. Il y a aussi pas mal de startups voilà, qui sont spécialisées dans ce domaine pour pouvoir donc, donner de l'information de manière beaucoup plus précise et notamment pour anticiper aussi certains diagnostics. Donc là aussi, pour l'intérêt du patient. Vous avez tous les deux donc parlé de recherche. On voit que c'est quelque chose qui vous intéresse. Je vous propose de regarder quelqu'un qui précisément s'intéresse beaucoup à la recherche. C'est un ancien étudiant d'INOV qui aujourd'hui est PhD, donc qui est doctorant en deep learning à l'Université de Liverpool. Vincent Béraud nous a fait le plaisir de répondre à nos questions. On l'écoute. Alors je pourrais argumenter en disant que c'était un choix logique, mais en fait c'était juste parce que j'étais passionné de l'intelligence artificielle, data science. Je dirais que c'est le côté disruptif de la technologie, c'est-à-dire que c'est pas une nouvelle techno qui va juste incrémenter une nouvelle innovation sur quelque chose qui existe déjà, c'est vraiment très disruptif et c'est ça qui m'a intéressé en fait avec l'intelligence artificielle, la partie mystérieuse où vraiment il y a des choses à découvrir, des choses dont on ne connaît pas encore. Et également le fait qu'à l'heure actuelle, il y a plus d'applications d'intelligence artificielle à faire dont on ne suspecte pas l'existence, plus que ce qu'on a déjà exploité ou même de l'amélioration de processus déjà existants. Le problème à l'heure actuelle avec les réseaux neurones, c'est pour ça qu'ils ne sont pas utilisés partout dans l'industrie et seulement pour du Google Translate ou des trucs où les conséquences d'une mauvaise classification ne sont pas énormes. Le problème, si on ne peut pas les démocratiser à ce point-là, c'est parce qu'ils n'ont pas de mesure d'incertitude. Une fois entraînés, on dit qu'ils sont déterministes. Alors moi, en fait, ce que je fais, c'est que j'inclus une zone d'incertitude. Et l'idée, c'est de quantifier cette incertitude à la sortie du réseau de neurones pour pouvoir les appliquer dans l'industrie. Et ensuite, le côté rapide, c'est parce que j'utilise des méthodes de calcul distribuées. Ça, normalement, c'est également enseigné dans la sphère Big Data, il me semble. À INOV. Voilà. L'idée, c'est de calculer, d'entraîner un réseau neurone, mais sur plusieurs processeurs en même temps, histoire de gagner en temps. Alors, en fait, c'était pendant mon année de transition entre le master et le doctorat. Et l'idée, c'était de pouvoir transmettre les connaissances en IA à des premières années à INGESUP, vu que ce n'était pas encore super développé à l'époque où j'avais intégré le cursus. Donc voilà, j'ai créé le contenu que j'aurais voulu avoir à leur place. Et puis également, d'un autre côté, c'était pour pouvoir développer mon aspect pédagogique qui n'était pas aussi affûté, on va dire, que maintenant. Être pédagogue, ça peut paraître, bien que ça peut paraître un peu trivial, c'est quand même compliqué. Si ce n'est pas compliqué, ça veut dire que le sujet qu'on étudie n'est pas suffisamment complexe. Et si c'est trop compliqué, ça veut dire qu'il faut qu'on s'améliore en pédagogie. Pour moi, c'était trop compliqué, donc il a fallu que je m'améliore en pédagogie. Thomas Gouritain et Jérôme Leleu nous retrouvent tout à l'heure. Ils sont prêts à répondre à vos questions sur le chat si vous en avez. Et pour l'heure, nous allons passer à notre deuxième plateau avec nos deux invités. Entreprendre des études en intelligence artificielle, c'est étudier l'informatique, les mathématiques, la robotique, le big data. Et les métiers sont nombreux. Des métiers qui sont vraiment purement tech, comme data scientist ou data analyst.
mais également des métiers, comme l'ont montré nos deux précédents experts, qui sont des métiers de l'entrepreneur de l'IA, mais également on peut trouver des chargés de marketing IA, des analystes financiers IA, bref, les métiers sont vraiment pluriels. Alors pour parler formation et témoigner de leur parcours, nous avons avec nous Marianne Sebi. Bonjour Marianne. Bonjour. Vous êtes dans le master expert en intelligence artificielle et vous êtes alternante, donc en apprenti. Votre poste, c'est IA et Big Data développeur chez Unicorn Incubator. C'est exact, oui. Parmi nous. Pierre Leroy, bonjour. Vous êtes intervenant professionnel, donc prof, hein, pour ceux qui... dans le master intelligence artificielle également à Innov et data scientist chez Scalian, qui est un très grand groupe, pour ceux qui ne connaissent pas, groupe international depuis 30 ans, qui travaille dans l'ingénierie et le conseil, partenaire de grands industriels et qui participe notamment aux programmes majeurs dans les secteurs de l'aérospatial, de l'énergie, du transport et de la défense. On est loin de la santé. Avant d'aborder votre parcours qui a à mains égards et très, très inspirant, parcours fulgurant. Est-ce que vous avez peut-être une réaction l'un et l'autre ou l'un ou l'autre sur ce qui a été dit précédemment sur l'IA et la santé? Oui, bon, au travers des exemples qu'on a vus, effectivement, l'IA est très loin du fantasme qu'on peut avoir. Mais toutefois, l'IA est aujourd'hui déjà capable d'apporter beaucoup de valeur et encore plus quand c'est appliqué à des domaines autour de la santé, où vraiment il peut y avoir un intérêt très fort pour le patient. Donc c'est vraiment cette ambivalence de, à la fois l'IA est très loin d'être dans les clichés, mais toutefois on peut déjà faire beaucoup de choses avec de l'IA. Vous avez en très très peu de temps, et je sais parce que moi j'étais présente il y a 2 ans lors de votre soutenance de Master 2 où vous avez eu 20 et vous avez absolument subjugué le public présent. Vous avez eu un parcours extrêmement intéressant et je trouve que on va le dérouler ensemble parce qu'il y a plein de pistes, je trouve, qui sont intéressantes pour les gens qui nous regardent sur la manière aussi de s'y prendre pour développer un réseau, pour se cultiver, pour être curieux. Alors, ça a commencé où, quand et comment? Alors, je pense que ça a commencé en première année. On avait un labo Big Data à l'époque, donc dans un cours Innov, et il y avait un intervenant de Cdiscount qui était venu, qui nous avait parlé pour la première fois du machine learning et qui nous avait évoqué le fait qu'il avait fait un MOOC en ligne. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai beaucoup repris par la suite, un MOOC en ligne sur l'intelligence artificielle, donc le nom de la technologie, le machine learning, qu'il avait beaucoup apprécié. Et puis ça germait dans ma tête et quelques mois plus tard, avec plusieurs camarades de promo, on s'est lancé on est vraiment tombé de passion sur ces sujets-là et donc ça fait maintenant 6 ans que je fais de l'IA, donc voilà, un sujet qui m'a beaucoup inspiré, beaucoup passionné, et donc le fait de pouvoir accéder à une connaissance très forte par des MOOC, ça nous a beaucoup aidé à apprendre des nouvelles choses. Je crois me rappeler que vous êtes quand même autodidacte, c'est-à-dire que dans le même temps, comme tous les étudiants, vous avez des cours que vous avez aimés et d'autres moins aimés, mais en tout cas, vous vous caractérisez par le fait d'être allé chercher des informations qui n'étaient pas forcément celles qui vous étaient enseignées parce qu'il y avait un sujet qui vous plaisait. Et vous vous êtes, alors pour prendre l'expression favorite de notre équipe ici, vous vous êtes gainé et vous vous êtes dit c'est bon, on y va, c'est pas parce que je défriche et je vais devenir expert là-dedans. Ça, c'est votre philosophie. Alors effectivement, autodidacte, je ne sais pas, c'est peut-être un mot un peu complexe, surtout que maintenant on a accès à de la connaissance très facilement, gratuite en plus, avec des MOOC. Dans l'IA, il y a pléthore de sites qui ont pu développer et proposer leurs cours. Il y a également, je pense à des grands chercheurs comme Hugo Larochelle qui fournit toute une formation complètement gratuite en français sur YouTube, donc la connaissance est facile d'accès aujourd'hui. Effectivement, j'ai sauté sur l'occasion. Camarades qui ont fait la formation donc à Innov de la première année à la cinquième année, avec qui vous avez monté ce labo et participé à différentes expériences, j'imagine que vous vous suivez toujours. Vincent qui est intervenu dans la vidéo il y a quelques minutes.
Une autre personne également, Clément Roma, qui est ingénieur d'études à l'INRIA actuellement, qui est en train de regarder pour faire sa thèse par la suite, par exemple. Ok. Ensuite, vous êtes parti en alternance, parce que l'alternance, c'est à Inov quelque chose qui est très, très important. Et donc, vous êtes parti à la Banque Postale. Donc effectivement, je suis parti à la Banque Postale. Donc, comme on l'a vu dans la première partie, effectivement, pour faire de l'IA, il faut avoir accès à des données. Dans une banque, on peut facilement imaginer qu'il y a beaucoup de données à traiter dans plein de services et pour plein d'usages différents. Donc effectivement, pendant ces 3 ans, et c'était vraiment au début de l'utilisation de l'IA pour ce type d'industrie, donc j'ai pu vraiment travailler sur les prémices des premiers algorithmes d'IA qui étaient utilisés, par exemple, à la Banque Postale. Et qu'est-ce qui vous intéressait? Quel était le sujet plus particulièrement qui vous a mobilisé, donc, sur le langage? J'en ai aimé beaucoup sur le langage, effectivement, et notamment l'utilisation de chatbots. Après, pour peut-être aussi faire le lien avec la suite, il y avait un aspect formation qui était très intéressant. Donc le but, c'était de ce qu'ils appelaient démystifier ce qu'est l'intelligence artificielle pour les salariés de la Banque Postale. Alors on a une question qui est adressée peut-être aux deux. Quand on veut commencer dans l'IA, par quoi faut-il commencer? C'est un peu compliqué, mais il faut bien commencer par quelque chose. Je ne sais pas, Marianne. Je ne sais pas si vraiment il y a un endroit où commencer. On peut commencer de n'importe quel côté, en fait. Il suffit vraiment juste d'être curieux et d'avoir envie de commencer. Juste l'envie de commencer va nous amener soit peut-être plus vers du machine learning, peut-être plus vers du deep learning ou d'autres aspects. Peut-être si on est intéressé justement par la santé ou autre, on va plus se diriger justement dans l'IA dans la santé ou dans d'autres domaines. Et je pense que c'est juste comme ça qu'on peut commencer. Oui. J'en profite pour dire que vous avez eu Pierre en cours. Cours de quoi? Justement, Clément Romac aussi, c'est la personne qui m'a formée l'année dernière avant que j'arrive à Inov, du coup, qui était là avant aussi. En quoi? Vous donnez des cours de quoi, Pierre? D'intelligence artificielle, donc on l'aura compris, c'est le sujet aujourd'hui. Dans l'intelligence artificielle, il y a plusieurs domaines. J'ai parlé un petit peu du machine learning, qui est un type d'apprentissage et qui est aujourd'hui la manière d'utiliser l'IA qui est la plus industrialisée. Donc on donne des cours de machine learning, mais également donc de deep learning, qui est une sous-spécialisation de ce champ-là, où on va par exemple approfondir sur du traitement d'images, de l'analyse de texte, ou au contraire une partie un peu plus mathématique, un peu plus statistique. Quels sont les différents outils que vous utilisez? Je suis allée fouiner un petit peu sur votre LinkedIn, et donc Apache, Panda, il y a plein de choses que vous citez. J'imagine que si vous les citez, c'est que c'est aussi intéressant pour les gens qui nous regardent. Tout à fait. Alors en termes de technologie, donc tout à l'heure on parlait de Python, donc c'est aujourd'hui le langage le plus utilisé dans ce type d'application. Derrière, on va utiliser plusieurs librairies également, donc Pandas ou NumPy pour tout ce qui va être traitement vraiment des données. Et pour la partie développement des modèles purs d'intelligence artificielle, on va retrouver deux frameworks qui sont aujourd'hui majoritaires, TensorFlow et PyTorch par exemple. Des outils que vous travaillez, que vous connaissez, que vous aimeriez connaître? En fait, à peu près tous les outils que Pierre vient de citer, déjà on les a tous vus cette année pour moi en cours, ou plus ou moins approfondis, mais on les a tous vus, et moi personnellement, j'en utilise aussi tous les jours au travail pour faire mon métier. Vous avez travaillé beaucoup sur le langage naturel, le NLP, en français, en testant différentes approches qui ont toutes des noms absolument incroyables que vous direz beaucoup mieux que moi. C'est toujours un sujet qui vous intéresse à fond, ça? Moi, je pense que le traitement du langage est d'ailleurs un des premiers sujets qui a intéressé l'intelligence artificielle, avec IBM notamment, qui avait beaucoup travaillé dessus. Je crois que la première IA qui avait été développée, donc avec des technologies bien différentes à l'époque, c'était un traducteur en pleine guerre froide entre l'anglais et du russe. Donc c'est toujours quelque chose qui a inspiré, je pense, les humains de manière générale, et en tout cas j'en fais partie. Et derrière, on va retrouver plein d'applications à ce traitement de langage, que ça peut être de la génération du texte,
Donc on va pouvoir retrouver des moteurs de traduction qui aujourd'hui ont des performances aussi bonnes, voire meilleures que les humains. Et on va pouvoir retrouver également des générations d'articles et encore bien d'autres sujets. Alors, il y a quelqu'un qui me dit que vous animez un meet-up sur les neurones. Alors effectivement, j'organise avec d'autres personnes un meet-up sur Bordeaux qui réunit un peu plus de 1200 membres. Donc on fait des conférences régulièrement, alors un petit peu moins depuis la Covid, mais historiquement une fois par mois. Et l'idée, c'est d'inviter soit des entreprises ou soit des porteurs de projets qui vont nous parler de leur travail et de leur vision de l'IA et de leur retour d'expérience sur des sujets très, très précis. Ça, typiquement, pour rebondir sur la question de tout à l'heure, c'est un bon moyen aussi de commencer, d'aller dans des conférences, d'aller dans des meet-up, de se créer du réseau, mais aussi de récupérer plein d'informations pour voir dans quelle direction on a envie d'aller. Tout à fait, c'est d'ailleurs comme ça que j'ai commencé. Il y a quelqu'un qui me demande, vous parlez souvent de deep learning et de machine learning, mais quelle est la différence? Je crois que vous l'avez dit tout à l'heure, mais vous pouvez le repréciser. Le deep learning est une sous-spécialisation du machine learning qui, pour faire très court, va majoritairement utiliser ce qu'on appelle des réseaux de neurones profonds. Donc c'est un type de modèle en intelligence artificielle, il en existe bien d'autres. Mais en tout cas, quand on va travailler avec ces réseaux de neurones, on va parler de deep learning. Et c'est aujourd'hui peut-être la manière de faire de l'IA qui nous permet d'avoir les meilleurs résultats et les plus belles applications. Donc c'est pour ça qu'on l'évoque beaucoup plus. Quelles sont vos missions, Marianne, chez Unicorn? Alors moi, je suis arrivée sur un tout nouveau projet. En fait, c'était l'ambition de l'entreprise de pouvoir prédire en fait le score des matchs de football. Donc c'est très ambitieux. Surtout que en fait, je suis arrivée sur le projet et ils avaient juste l'idée. Et du coup, il n'y avait vraiment pas de base, pas de données, rien du tout. Et donc, je suis arrivée et j'ai commencé déjà à me renseigner sur le football. Parce que même si je regarde pour tout ce qui est l'Euro ou la Coupe du Monde, mais en soi, je ne savais pas comment on prédisait des matchs de football, comment je pouvais savoir le score. Donc, à partir de là, j'ai commencé à faire mes recherches et à récolter les données dont j'aurais besoin pour permettre à mon intelligence artificielle de pouvoir apprendre. Donc là, c'est sur cette partie toujours que je développe. Donc je suis notamment en train de faire du deep learning et des réseaux de neurones. Et là, je suis en train aussi de me renseigner pour faire de la génération d'articles par rapport aux données pour pouvoir faire des petits textes auto-générés par de l'IA sur le match qui va arriver. Très bien. Autre question, est-ce qu'il y a une raison spécifique, vous demande-t-on, au fait qu'on utilise principalement du Python quand il s'agit de développer une IA? J'ai essayé de répondre du coup. En fait, il faut savoir que j'ai fait du machine learning en R et en Python. Mais en fait, le langage R, je trouve vraiment ça plus adapté pour une question de mathématiques. Donc c'est beaucoup plus des mathématiciens et pour des problèmes vraiment spécifiques aux mathématiques que ça va être utilisé. Et Python est beaucoup plus facile à manier derrière et il nous permet, comme beaucoup plus de monde le pratique, il y a beaucoup plus de librairies différentes et beaucoup plus de possibilités à faire. Répondre d'une manière complémentaire également. Tout à l'heure, j'ai cité PyTorch et TensorFlow, donc deux frameworks majoritaires sur le marché. Quand on regarde qui a créé ces deux frameworks, on s'aperçoit qu'il y a un Google, deux Facebook. Donc ce sont deux grands industriels et ces industriels, leur objectif, c'est de déployer en production leur modèle d'intelligence artificielle. Il s'avère qu'en Python, aujourd'hui, c'est plus simple pour déployer ces modèles-là que dans d'autres langages comme du R, par exemple. Alors après, sur des cas très spécifiques, on va pouvoir retrouver également du Java pour des process un peu plus big data. Qu'est-ce qui vous plaît le plus en fait dans l'IA? Je crois que je vais rejoindre la partie langage. Il faut savoir que j'aime beaucoup les langues étrangères. Moi-même, par plaisir, j'en apprends énormément. Et c'est surtout ça qui m'a intéressée au début, c'est tout ce qui est traduction instantanée et même pas juste écrit, mais aussi tout ce qui va être reconnaissance vocale, parce que il y a beaucoup d'accents différents, même dans une seule langue, et tout ça, je trouve ça très intéressant, et d'essayer d'y reproduire, et de pouvoir en faire quelque chose, pouvoir traduire et aider des gens qui n'ont pas forcément cette capacité, ça m'a énormément intéressée. Du coup, c'est quoi votre parcours, Marianne, après le bac?
Alors, déjà, il faut savoir que j'ai commencé à faire de l'informatique et du Python quand j'étais justement au lycée. J'ai eu la chance d'être dans un lycée dans lequel j'ai pu faire 3 ans justement d'informatique. Et après, j'ai décidé de faire un DUT informatique à Bordeaux, qui est assez réputé et qui est un des meilleurs en France, où là, en fait, je ne savais pas exactement ce qui me plaisait vraiment dans l'informatique. Donc, j'ai un peu essayé de toucher à tout. Et c'est là où je me suis vraiment recentrée sur l'intelligence artificielle et sur tout ce qui est données en général et big data. Et il est vrai qu'après, je savais que je voulais continuer plus vers l'intelligence artificielle, mais c'était un peu compliqué pour moi de trouver une troisième année qui reste dans cette optique-là pour que j'apprenne quelque chose sur ce qui m'intéresse. Et c'est à ce moment-là qu'une licence pro s'est ouverte à Périgueux, qui est la licence professionnelle développeur big data, donc qui correspondait à ce que je voulais faire, qui était en alternance. Et du coup, j'ai pu faire cette licence pro, et où j'étais du coup dans une entreprise qui s'appelle Winov, qui est à Bordeaux, où Clément Romac était alternant avant. Et du coup, j'ai pu me former grâce à ça. Et après, comme je voulais continuer en master, j'ai entendu parler d'Inov et je suis arrivée à Inov pour faire mon master en intelligence artificielle. Je vous propose de partir, non pas à la recherche, mais de découvrir Louis Saglio. Louis Saglio, qui est un étudiant que vous connaissez bien, l'un et l'autre, et qui est venu nous parler de son intérêt pour l'IA, et plus précisément voilà, des familles d'algorithmes qu'il aime bien, qu'il apprécie. Donc, il a répondu à nos questions, et c'est très sympa à écouter. Bonjour, je m'appelle Louis Saglio, je suis en master intelligence artificielle à INOR, en alternance chez Wacom, qui est un hébergeur web et opérateur télécom, depuis quasiment 2 ans maintenant. En fait, j'hésitais entre le master intelligence artificielle et le master web, sauf qu'en web, j'avais déjà pas mal de compétences, notamment du fait que je pratiquais en entreprise depuis déjà 2 ans, en stage puis en alternance. Donc j'avais peur de ne pas apprendre grand-chose finalement dans le master web et c'est pour ça que je me suis orienté vers mon deuxième centre d'intérêt qui était l'intelligence artificielle. Alors ça remonte assez loin, donc c'est je crois quand j'étais en troisième, dans les conséquences de la crise économique de 2008 et je me suis demandé qu'est-ce qui fait que les gens sont au chômage, c'est les robots en fait qui prennent leur travail. Je me suis dit pour travailler en fait il fallait créer des robots, donc soit il fallait les créer physiquement, donc là c'était plus de l'électronique, soit les programmer, donc plus de l'informatique et de l'intelligence artificielle derrière. Sauf que l'électronique, ça ne m'intéressait pas trop. Je n'aimais pas les cours d'électricité, par exemple, en physique. Du coup, je me suis dit que j'allais m'orienter vers l'informatique et puis ensuite l'intelligence artificielle pour aller plus loin. Je m'intéresse principalement à deux algorithmes, plutôt deux familles d'algorithmes. On va dire bon, le deep learning, donc tout ce qui est réseau de neurones. Bon, c'est assez vaste. Aujourd'hui, la plupart des algorithmes qui fonctionnent le mieux, notamment pour jouer aux échecs, pour jouer à StarCraft ou au Go, sont des réseaux de neurones. Et l'autre type d'algorithme qui m'intéresse, c'est les algorithmes génétiques. C'est en fait des algorithmes qui s'inspirent de la théorie de l'évolution en fait, pour les appliquer à l'informatique et à l'intelligence artificielle. Et je combine un peu les deux en entraînant en fait, des réseaux de neurones avec un algorithme génétique. Une réaction? Je reconnais bien Louis. On n'a pas mis la réponse, mais on lui avait posé la question parce que, de façon un peu taquine, on lui a dit qu'il était connu pour être le roi de la SAP. Donc ça l'a fait rigoler. On n'a pas mis la réponse, mais c'est vrai qu'il est très sérieux, éminemment sympathique et très bien habillé. Question à tous les deux, Marianne et Pierre. Selon vous, quelles sont les qualités, les compétences qu'il faut avoir ou qu'il est bon d'avoir dans ces métiers de l'IA? Donc la curiosité, je pense qu'on l'a largement évoquée. Aujourd'hui, un data scientist ou en tout cas quelqu'un qui va travailler avec de l'IA,
doit avoir des compétences dans plein de sujets différents. Et effectivement, je pense qu'il n'existe pas de formation assez longue pour être vraiment spécialisé dans tous ces domaines-là. Donc, on va attendre que les personnes soient curieuses pour aller justement approfondir les sujets qui peut-être soit sont des lacunes pour cette personne, ou au contraire, où la formation n'a pas le temps de forcément beaucoup appuyer. Oui, j'aurais dit la même chose sur la curiosité. Je pense que beaucoup de personnes diront ça dans l'IA. C'est que ça part vraiment de là et aussi de ne pas avoir peur d'essayer. Parce que bah, justement, il y a plein de domaines dans l'IA et ça peut être associé à plein de métiers différents. Donc ça pourrait permettre de voir plein de choses différentes et du coup, faut pas hésiter. Donc on est bien d'accord hein, que ce ne sont pas des qualités typiquement masculines. A priori, non. Très bien. D'accord, ça me permet de faire une très belle transition puisque nous sommes partenaires depuis peu à Innov au niveau national avec une association qui s'appelle Elle Bouge. Marianne, vous avez été à l'honneur ce mois-ci. Racontez-nous un petit peu bah, le pourquoi du comment. Alors oui, j'ai eu l'occasion justement bah, de parler un peu avec Elle Bouge parce que j'ai fait une conférence avec elle il y a de cela, oui, un mois environ. Elle Bouge, c'est une association qui permet de mettre en avant les femmes qui travaillent dans tout ce qui est tech, donc dans tout ce qui est nouvelle technologie. Et ça peut aller de l'entrepreneuriat ou au métier beaucoup plus terre à terre et directement en lien avec les ordinateurs ou les machines. Et donc, elles mettent en avant tous ces métiers qu'on peut rencontrer auprès bah, des collégiennes et des lycéennes qui, en fait, sont leur public pour les inciter à continuer à faire des études ou des métiers qui sont. Bah, qu'on dirait aujourd'hui plus destiné aux garçons, mais où on se rend compte que les filles sont nécessaires et donc de plus en plus, même les entreprises cherchent à recruter des filles plus que des garçons. Rien à rajouter de plus. Le message est passé, il faut pas avoir peur, il faut y aller, il faut foncer, vous trouverez des gens pour vous accompagner. En tout cas, c'est ce que nous, on fera à Innov et c'est ce que l'on fait au quotidien. Je crois, Pierre, que vous, puisqu'on parle de démystification, vous faites également des journées ou des demi-journées de formation pour démystifier l'IA. Tout à fait. Alors chez Scalian, on fait beaucoup de formations, des formations effectivement très techniques. C'est plutôt ce type de formation qu'on va faire chez Innov. On a également tout un programme de formation qui s'adresse à des non-techniques pour complètement vulgariser la chaîne de valeur de la donnée, que ce soit du système d'information, de la collecte, jusque à la valorisation de la donnée par l'IA. Est-ce que vous avez repéré, je pose la même question que j'ai pu poser tout à l'heure à nos amis sur le précédent plateau, est-ce que vous avez l'un et l'autre repéré des boîtes un peu waouh, que ce soit en France ou en Nouvelle-Aquitaine, des boîtes où évidemment l'IA, enfin, traversée par l'IA ou purement IA, en tout cas que vous suivez avec intérêt? J'aurais pu également citer Deski, que j'avais rencontré à un meet-up, Deski, qui travaille donc au CHU de Bordeaux. Et sinon, d'autres entreprises qui vont plutôt permettre d'accélérer le traitement du langage et bien d'autres choses. Donc, c'est une entreprise qui s'appelle Hugging Face, qui travaille aujourd'hui avec Google. Hugging, Hugging, espace Face, comme Face. Et donc l'idée de cette entreprise, c'est d'accélérer le déploiement de modèles, notamment de NLP, donc de traitement du langage, pour pouvoir faciliter son industrialisation. Un pont le plus efficace possible entre le monde de la recherche et le monde industriel. Marianne? Je n'ai pas forcément de recommandations, je sais juste que j'ai vu justement il n'y a pas longtemps, je ne sais plus malheureusement le nom de l'entreprise qui fait ça, mais c'est une entreprise qui permet justement l'immersion en réalité virtuelle dans des endroits, pour, bah, notamment avec la Covid, pour les personnes qui sont obligées de rester chez elles, ou alors dans les hôpitaux pour ceux qui ne peuvent pas bouger. Et justement, c'est tout un dispositif qui leur permet de ressentir par exemple le vent, par exemple s'ils sont sur la mer, s'ils les renvoient sur la mer ou quoi. Et donc c'était un système très intéressant et vraiment très poussé. La question finale, celle qu'on a l'habitude de poser, ça devient une petite habitude. On termine toujours par, en pensant à nos alternants et futurs alternants, par le petit conseil, le petit tip que l'on pourrait donner pour trouver une alternance. Alors Pierre, est-ce que vous avez eu le temps d'y réfléchir parce que je voulais poser
Oui, déjà s'y prendre à l'avance pour au moins deux raisons. La première, c'est identifier sur le marché ce qui est attendu actuellement pour pouvoir se former au plus proche des attentes des entreprises, pour forcément avoir plus de chances d'être pris derrière en alternance. Et C'est quoi les tendances? tout ce qu'on a évoqué D'accord. aujourd'hui avec Deep Learning, TensorFlow, PyTorch, voilà, tous ces mots-clés, du Pandas, NumPy, tout ce type de technologie. Et donc le deuxième conseil, c'est bien connaître l'écosystème dans la ville où vous recherchez. Par exemple, en Aquitaine, il y a beaucoup de startups qui travaillent autour de l'IA, qui recrutent beaucoup aussi autour de la santé. Donc c'est bien connaître ces acteurs-là, les identifier pour pouvoir les contacter. C'est une très bonne réponse. J'ai une question pour vous, Marianne. Qu'est-ce que tu te vois faire dans 10 ans? Alors, dans 10 ans, j'en ai pas vraiment d'idée encore. Je vis un peu au jour le jour. Je vois surtout dans les domaines comme l'intelligence artificielle, ça change tous les jours. Donc, dans 10 ans, je pense que c'est compliqué de me projeter jusque-là. Donc, savoir si je resterai vraiment comme là, je suis à programmer justement des intelligences artificielles ou alors peut-être plus partir dans le côté entrepreneuriat ou autre, je ne sais pas encore. Pierre. Pareil, aucune idée. Le monde évolue tellement vite. C'est ça. Dans l'IA, nous n'avons aucune projection de soi. Ce sera la conclusion. Je vous propose de revenir, Jérôme, si vous voulez bien venir nous retrouver pour dire au revoir à nos amis. Avec Thomas, je ne suis pas loin, voilà, juste derrière, puisque nous arrivons à la fin de cette émission. Merci à tous les quatre d'avoir été avec nous. J'espère que vous allez continuer avec brio vos carrières respectives. Merci d'avoir pris le temps de venir nous éclairer, nous parler de vos parcours, de vos intérêts et de vos passions. Je voudrais terminer par juste une petite phrase. J'espère que l'angle que l'on aura donné aussi à cette émission, c'est de vous donner à tous envie de devenir des acteurs éthiques du développement des algorithmes, c'est-à-dire des algorithmes qui vont simplifier la vie des consommateurs, évidemment, mais aussi tout simplement des citoyens. Donc, longue vie à l'IA et merci à tous. Très bonne soirée. Au revoir et on vous retrouve sur le chat si vous avez encore des questions, évidemment. Bonne soirée à tous.